Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Bien. Donc oui, il faut protéger la planète. Oui, il faut lutter contre les dérèglements climatiques. Non, l'homme n'est pas le seul responsable des dérèglements climatiques. Il suffit que la planète change d'axe d'un demi-degré face au soleil et vous avez le Sahara qui était une mer ou une forêt qui devient un désert. Et il faut se préoccuper de toute urgence du grand défi qui est lié au défi environnemental. La démographie, c'est votre nouveau défi. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. Jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100 demain matin. 11 milliards et demi, personne n'a jamais vécu ça sur la planète. Il y aura à ce moment-là plus d'habitants sur la planète qu'il y en a à l'heure actuelle depuis que les premiers hominidés, il y a 3 millions d'années, sont arrivés. Les Républicains demandent une conférence mondiale annuelle sur la démographie mondiale, sur la nécessité d'un planning familial et de la définition d'une stratégie démographique sur la planète. Imaginez un monde où vous êtes constamment épié par votre gouvernement. Des caméras et des micros partout, dans la rue, chez vous, à travers votre webcam, votre téléphone. La moindre de vos activités en ligne est tracée, contrôlée, censurée. Cette ambiance, les chrétiens chinois la connaissent bien. Ils savent que leurs faits et gestes sont régulièrement épiés par le gouvernement chinois. Que ce soit par la vidéosurveillance ou le blocage de l'information, les chrétiens doivent apprendre à vivre l'évangile dans cet environnement. Peony a accepté d'en parler. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il s'agit d'une chrétienne chinoise. Mais son nom, sa voix et son visage ont été modifiés pour protéger son anonymat. Yes, this is a good question. And we need to go back to the history. Oui, c'est une bonne question. Il faut revenir à l'histoire. Tout d'abord, selon l'idéologie communiste, il n'y a pas de Dieu. Ou du moins, ils pensent que la religion n'est pas nécessaire dans la société. C'est une première chose. Mais le gouvernement chinois peut permettre à certaines religions d'exister. Quand on regarde en arrière, il y a plus de 100 ans, quand le christianisme est arrivé en Chine, il est venu avec l'impérialisme. Il est donc très facile pour le gouvernement chinois de lier christianisme et impérialisme. C'est un pan de l'histoire très douloureux en Chine. En Chine, presque tout le monde en zone urbaine possède son propre smartphone. Du coup, cela facilite la surveillance, sans compter les caméras de surveillance placées dans différents coins des villes. Le taux d'urbanisation y est si élevé que presque partout dans les villes, il y a de la vidéosurveillance. Le but initial de la vidéosurveillance est bon et légitime, car cela permet la prévention du crime. Cela semble bon. Mais c'est aussi un instrument dont se servent les autorités pour surveiller les gens, y compris les activités des pasteurs. Et aussi, avec le progrès technique qui avance, le système de reconnaissance faciale est entré en scène ces dernières années. Donc pour entrer dans certains bâtiments dans les grandes villes,
Il nous faut désormais passer par un scan visuel pour prouver que vous résidez bien dans cet immeuble. Comme ça, c'est plus facile pour rentrer. Autrement, on est obligé de s'inscrire au bureau de gestion du bâtiment. Nous voyons la persécution numérique se développer en Chine parallèlement à la pandémie. Car dans le monde entier, dans différents pays, le gouvernement se sert de la technologie pour prévenir la propagation du virus. Under the pandemic, online services and fellowship are getting more and more prevailing in China. Durant la pandémie, les cultes et les rassemblements en ligne se sont répandus partout en Chine. Je veux aussi dire qu'il y a un risque, parce que ce que nous faisons est surveillé. Ce que nous faisons en ligne est surveillé par les autorités. L'Église doit être prudente. Elle doit faire preuve de sagesse dans l'exercice de ses propres activités. Les chrétiens font très attention. Par exemple, ils parlent un langage codé, utilisent des mots qui n'attirent pas l'attention des autorités. L'Église a développé son propre langage, qui n'est compris que par des frères et sœurs en Christ. À cause des millions ou milliards de personnes sur Internet en Chine, il n'est pas vraiment possible de surveiller chaque communication. Cela demanderait énormément d'énergie et de ressources. Il y a certainement de nombreux avertissements de la police après un culte en ligne. Les pasteurs sont contactés et reçoivent la plupart du temps un avertissement léger, leur demandant de cesser leur culte en ligne. On ne sait pas encore si ces pasteurs devront faire face à des conséquences graves. J'ai aussi entendu parler de certains cas où les autorités locales approchent le pasteur et lui disent simplement « Je ne veux pas vraiment vous arrêter, mais vous devriez faire plus attention sur Internet, s'il vous plaît. » Parce que les autorités locales ne veulent pas vraiment avoir à faire du tort à l'Église. Si ce sont des activités en ligne uniquement entre des églises en Chine, c'est moins risqué. Mais s'il s'agit d'événements en commun avec des églises à l'étranger, on peut être sûr que ce sera surveillé. Just like in China, we have the Chinese social media, which is very popular. Chez nous, les réseaux sociaux chinois sont très populaires et les gens y vont principalement pour partager leurs messages, comme le font les gens de l'étranger en utilisant Facebook ou Instagram. Mais nos réseaux sociaux sont surveillés et les chrétiens sont très actifs dans le partage de leur foi sur les médias sociaux. Par le passé, des églises et des groupes chrétiens créaient leurs propres comptes pour partager énormément de contenu biblique en ligne. Et récemment, ces deux ou trois dernières années, j'ai vu ces comptes diminuer à vue d'œil à cause de la surveillance numérique. Certains contenus chrétiens pointés par le gouvernement sont jugés trop sensibles. Le gouvernement supprime alors ces contenus d'Internet. Et parfois, mais pas très souvent, le gouvernement ferme tout bonnement le compte pour que plus personne ne reçoive de messages. Au fil des ans, j'ai suivi un certain nombre de ces comptes. Au cours des deux dernières années, j'ai vu que plusieurs de ces comptes avaient déjà arrêté de partager quoi que ce soit. Et je vois également que de plus en plus de messages sont supprimés, même si le compte existe encore. Du coup, quand je lis quelque chose d'intéressant sur les réseaux, je le partage immédiatement autour de moi, car demain, peut-être que ce message aura disparu. Si je trouve quelque chose de vraiment intéressant, je le télécharge de mon côté et je le conserve dans mon smartphone ou mon ordinateur, avant que ça ne disparaisse, parfois dès le lendemain. Je sais qu'il y a des églises qui continuent leurs activités en ligne, malgré les avertissements, souvent sans grand danger. Mais il faut savoir que la situation devient de plus en plus incertaine en Chine ces dernières années. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra encore le faire demain. On l'aura compris, loin de se décourager, l'Église chinoise s'adapte. Et elle continue de grandir, au point de compter aujourd'hui autant, voire plus de fidèles que le Parti communiste. Ils sont près de 100 millions. Et 40 ans après le projet Perle, le projet qui a permis le débarquement clandestin d'un million de Bibles sur une plage chinoise, c'était en 1981, eh bien le régime n'a toujours pas réussi à faire taire les chrétiens. Pourtant, la situation des chrétiens se détériore, notamment depuis que le président Xi Jinping a réaffirmé son objectif de siniser les religions, c'est-à-dire d'adapter les religions aux valeurs culturelles chinoises.
Il en a parlé très clairement dans son discours donné lors du 19e congrès du Parti communiste chinois. C'était en octobre 2017. Résultat, 4 ans plus tard, la Chine est à la 17e place de l'index mondial de persécution des chrétiens. Il y a 3 ans, elle était à la 43e place et aujourd'hui, elle est à la 17e, le 17e pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Et pour donner un exemple très concret de cette volonté du gouvernement chinois de siniser les religions, eh bien, j'aimerais vous parler d'un manuel officiel d'éthique chinois. Dans ce manuel, un passage de la Bible a été modifié. Il s'agit de l'extrait de la Bible où Jésus-Christ a sauvé la vie à une femme adultère. Ce manuel d'éthique chinois dit que Jésus-Christ a lapidé la femme adultère, en déclarant que lui-même est pécheur. C'est profondément choquant. Pourquoi ? Parce que cela vient inverser le message de pardon et de grâce de l'Évangile, et en plus de cela, ça touche à la perfection de Jésus-Christ qui est essentielle pour le salut du croyant. Vous avez aussi sans doute entendu parler de la minorité musulmane des Ouïghours, qui sont durement persécutés dans la province du Xinjiang. Selon des ONG, plus d'un million de Ouïghours seraient déplacés dans des camps de rééducation. C'est absolument terrible. Et c'est une problématique dont nous n'avons pas l'expertise. Mais ce que nous savons, c'est qu'en 2018, au moins 6000 chrétiens Ouïghours, des anciens musulmans convertis au christianisme, ont été envoyés dans ces camps. Ce qui est également vraiment, vraiment triste, c'est que les églises peuvent être utilisées dans cette région comme un instrument de la persécution. En effet, au Xinjiang, il y a une église officiellement reconnue par le gouvernement qui demande à ses membres de faire la queue pour passer par un programme de reconnaissance faciale. Sinon, eh bien, ils ne peuvent pas entrer dans l'église. Il est donc plus facile pour le gouvernement de traquer ses citoyens. En Chine, l'étau se resserre sur les chrétiens, mais beaucoup d'entre eux font preuve de courage. Le pasteur Wang Yi est un des pasteurs protestants les plus éminents de Chine, un défenseur renommé des droits de l'homme et un dirigeant de mouvement d'église. Eh bien, il purge actuellement une peine de 9 ans de prison. Il est condamné pour incitation à la subversion contre l'État chinois et opération commerciale illégale. Son église, Early Rain Covenant, s'est particulièrement fait une renommée en Chine pour son choix de rester une église de maison non enregistrée. Malgré l'arrestation de son pasteur, eh bien cette église continue de diffuser l'évangile en ligne et elle continue à publier des prédications et des études sur Internet. Elle a relayé un message personnel de Wang Yi lorsqu'il a été arrêté. Celui-ci a déclaré « J'espère que Dieu se servira de moi pour dire à ceux qui m'ont privé de ma liberté personnelle qu'il y a une autorité supérieure à la leur et qu'il y a une liberté qu'ils ne peuvent pas restreindre, une liberté qui remplit l'église de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. » Prions pour que les chrétiens chinois soient remplis de zèle, de ce même zèle que le pasteur a manifesté. Avant de se quitter, je vous propose qu'on écoute Peony. Peony nous donne des sujets de prière. Thank you so much for brothers and sisters for your ongoing prayers. Merci beaucoup, frères et sœurs, pour vos prières incessantes pour la Chine et avec nos églises au cours des dernières décennies. Nous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre soutien. Aujourd'hui, c'est un vrai tournant pour notre Église, parce qu'il y a 10 ans ou plus, l'espace de liberté de l'Église grandissait. Mais maintenant, ces 2 ou 3 dernières années, la persécution est de retour. Et de nombreux chrétiens parmi les plus jeunes la subissent et n'ont pas connu la persécution terrible et extrême des années 60, 70 ou 80. C'est donc très difficile pour eux, parce qu'ils n'ont jamais vécu la persécution directe. C'est très dur pour eux dans cette saison bouleversée. Alors s'il vous plaît, priez pour ces jeunes chrétiens, qu'ils puissent rester forts, persévérants, garder la foi, même si la persécution ou les restrictions deviennent de plus en plus sévères. Je veux aussi demander de prier pour la génération qui vient, parce que cette génération est habituée aux médias et à l'approche en ligne des réunions et des activités. C'est une bonne chose, mais ils doivent rester prudents à cause de la surveillance. Et d'un autre côté, il leur faut plus que le virtuel, il leur faut du personnel, une relation et un contact en face à face, notamment avec la génération plus âgée, des chrétiens mûrs et qui ont de l'expérience dans la vie chrétienne. Il est vraiment difficile pour nous de guider la génération qui vient à cause de tous ces défis. Alors s'il vous plaît, priez avec nous pour que les chrétiens et l'Église de Chine continuent à faire preuve de courage, de sainteté, de fidélité à Dieu, de sagesse et de créativité pour maintenir la communion fraternelle, pour faire encore des disciples et prendre soin des chrétiens. Merci. Merci infiniment pour vos prières. Thank you. Thank you very much for your prayers. Merci.
Merci pour votre attention, merci de vous être intéressé à la situation des chrétiens en Chine. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ça permet vraiment de faire résonner la voix des chrétiens qui sont persécutés. We talked to some of these people from Iraq and Egypt and Pakistan, and even in the midst of their torture, God's love was real. Take Rami, for instance. He was burned with cigarettes and fire. His toenails were ripped off. His testicles were electrocuted. But even then, the light of the world drove away his darkness. In every bone in my back, I see Jesus hug me. And when I lost my conscience, I see Jesus hug me. Like you saw it, like you had a vision? It's like... Can I get zero? Yeah. Yes, yeah. Yes. Yes. So as they were burning you, you felt his presence. You felt him as if he was hugging you. Yes. Before I was Christian by the name, and after the burning again, my life was changing. I live everything for Jesus. I have no relative here. I have no money. I have no business. I live there in Egypt, but I know that Jesus will not leave me. Our world today is an unfair place. It's a dark place. Not because the people is doing evil, but because the good people that sit around didn't do something to stop it. In the absence of light, darkness prevails. Namaste, Nikom. Daudi. Sanatani. Presha. Ti avella segim in betele. In radafuli. Il defunto come.